Mboté, Bandeko Balandi, dernier virage, votre émission, émission les amis de Witch International, de Yambi Lelo, docteur Alongo, tu rappelles à Nali, docteur, docteur en droit, de Yambi Nakati, émission Abisso, Yalelo, docteur combattant également, pour la consulat Marambuka, Yamboka, Boebi, Oilekaki, le 31 décembre, na Congo, Nenge, ba mercenaire, recruté par le pouvoir et à Kinshasa, ba bomi Bandeko Nabisso. Bah, tiré à bout portant sur ma fidèle de l'église catholique, ma côte n'a pas Dieu, il y a culte, bah, profané lui, il y a culte, et bien, Oyo et Salé Maraté, mais Salé Minambo Kanabusso, docteur en droit, Trouyambaye, en tant que juriste également, la date émission Nabusso et l'eau, on a voté sur le plan juridique, ni ni trouvé réponse ni trouvé ça par rapport à Oyo et les gars qui n'ont pas voté, mais docteur en droit. Bonne année. Eh bien, par rapport à les cas qui, le 31 décembre, on a évité le tir dans la situation des amis. Bien, d'abord, on a présenté ma condoléance au peuple congolais tout entier, pour la Makambo et Komeli Bisso, et pour la martyr au Bakoufi, le 31 décembre 2017. Bazui et Poussa, tout le monde, on a commencé l'année 2018. Mais, na lingina loba que mémoire na bango liwa na bango eko kende pamba te donc bakufi pamba te baza ba martyr ya démocratie donc après massacre wana le 31 décembre 2017 na Congo na mi décidé na sala une sorte ya analyse critique sur la situation ya mboka et puis sur ba institution sur opposition Yambo Kanabiso. Dalingi Awa a interpellé d'abord classe politique ya Congo et que Dalingi na sa peuple congolais que ce qui ba politicien ba koki ko sala lisu sur eloko moko te et sengeli malamu ete biso moko ba imboka ba na Congo to se prendre effectivement en charge to sala musala. Yangona est donc interpellé bandeko nabiso population congolaise nyoso pe diaspora congolaise que totele manangui pe to bunda pote to ko ko bengana Hippolyte Kanamelia Joseph Kabila na ba acolyte na c'est-à-dire to déraciner système wala ya ba criminel oyo bazali na mawate na population une population qui est sortie les mains nues ba profaner ba lieu à culte ba kotiti na ba église ba bomi bato yangona na tina wana to senga na peuple congolais to compter les sous sur ba politicien té to compter les sous sur ba mutu leader songolo to pakalaté biso moko l'heure est arrivée oyo biso moko to se prendre en charge to zwa destiné na biso na maboko yangona za ko senga na peuple congolais que la lutte doit continuer. Nous devons demeurer déterminés. Au moment où les Samis dans Mokanabiso ont génocide, ils ont crime, ils ont réprimé la Cour pénale internationale. Parce que génocide, ils ont dit, dans l'article 6, ils ont dit, bah, meurtre des membres d'un groupe. Et puis génocide, ils ont dit, bah, acte de bouée, ils ont tendre qu'on détruire en tout ou en partie. Groupe national, c'est-à-dire congolais, belge, donc ma nationalité, et tous un groupe ethnique, ma Luba, Bangala, et puis tous un groupe racial, ma noir, Mindele, et puis enfin, ma groupe religieux. Donc, ma groupe, mine, et ça concerné le génocide. Et ma acte, il y a Mouezanini, meurtre des membres d'un groupe A, B, atteinte à l'intégrité physique. À l'intégrité physique ou psychique ou morale des membres d'un groupe. C'est-à-dire d'être sûr de violer moi si physiquement, va porter atteinte à l'intégrité physique et puis sur le plan moral, les sous. Et en tout ça, la mise à tout, ils ont concerné surtout Congo, ils ont la soumission intentionnelle du groupe, c'est-à-dire des Congolais, à des conditions d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle. Nenge ba konzi ya mboka na bazo kamba mboka, bazo soumettre population congolaise dans ma condition d'existence pour les okala. Et on sait que vous faites un monde de cimetière et tonda, kambangu, bangu, ainsi de suite. Donc, dans l'île de l'Obaboué, peuple congolais, les loyaux, ma kamoua, comptez les sur ma population, puis sur ma politicien et zalité. Ma politicien, ma si ma décevoir. Bota la ma politicien, comment ma sa versatile. Moutou l'okola, kiungu wakou mwaza, bandeko ba bolingo. Azalaki na majorité, akomi kota peuple, lobby, azon yon, azon souteni calendrier électoral. Aza wapi. Tosa la ba tulokwa ba olengan koi. Donc, tous ces politiciens là, oya Congo, na lingi peuple congolais, to compte li sou sur bango te. To compte sur makasi na biso moko. To bunda. Bota la, ba politiciens oyo bazalaki, na kondo maréchal Mobutu. Basali presque 30 ans autour ya maréchal Mobutu pour le kokoy samboka na se. Ba mwana lisu bazo continuer musala na bango na otanga exemple le quoi Kengo Adondo, Tambo Mwamba. Ba Mende, c'est des gens qui étaient autour ya maréchal. Lelo bango lisu baza ko bomba mboka. Ya mona ningi peuple congolais to vungula misu. To vungula misu. Poete toko kwa bongo koe bake, batu oyo balingi biso te. Batu oyo, togi okonte sur bango te. Eke na kobenga, peuple congolais, na unité, pona, pota la bino moko. Toloba ki ke, batu ba kene na dialogue te. Ba kene ki dialogue. Ba rencontre salami na Ibiza, na Venise, ainsi de suite. Ba akor wana o ya Saint-Sylvestre. Yango ta place et bemi biso. Moto wana zaki de mauvaise foi. To boya ki dialogue pour la nini. Na 2006, imposteur a triché mes élections face à Jean-Pierre Bemba Goum. Na 2011, face à papa Etienne Tshisekedi a triché mes élections lisous. Alors, moto wana a fait un mandat na le 19 décembre 2016. Bon, parce que le dialogue na ye. Un homme de mauvaise foi. Wana ki même a fait passer loi. Oye, matwa kouve ki na janvier le 19. Le 21 janvier 2015, à Bomagi Matupalanini, loi électorale, loi des Aguinas, je pense, article 8, où il va y que, parce que ça, la élection, mais avant tout, recensement, ça, la banane. Peuple à Boyaki Yango, pour peuple Ninga Aligni, qu'est-ce que le peuple congolais veut? La volonté profonde et souveraine du peuple congolais, ça, Kabila dégage. Tant que tout le monde, Kabila dégage, ce n'est pas que quand il y a beaucoup de politiques, quand il y a Joseph Kabila qui est né, il y a un système d'Aignos, Kimbuta, Mende, Bisengimana, Bochap, tout ce monde-là, il y a un mercenaire, tout dégage. Il y a un peu de déco, il y a un 5 ans à Bino, à partir de Sikoyo, il y a un peu de mise. Il y a un peu de benga, il y a un peu de mayele na biso. To sangisa makanisi na biso. Poto kuka uzo makoki, biso pe ya kubenga la bango. Ndenge bango bazo zwa mercenaire, biso pe toko uzo wa mercenaire po wa benga la bango, batia bango hors d'état de nuire. Donc, so ki to lingi toko kisa, to tia bango hors d'état de nuire, ezo senga pe, biso nyoso, to tia maboko na mabenga, to sangisa makanisi na biso, to sangisa buwaya na biso, poete toko wa bongo kubenga la batuana. Parce que batuana, Baza qu'on se soucie d'un peuple, bato baza la pouvoir, baza qu'on yoko la peuple, alors, tu vois qu'on n'y balika mouane, wala li sousou, et continue bouete. Alors, nous éviter, parce que je crois que l'obima mingi wana, on va peut-être continuer pendant aussi les émissions, mais tant que l'oba awa, to compter li sous nos apporticiens, mais ce mot peuple, tout se prendre en charge. Mais ce que tant que peuple se prendre en charge, la forme est libre, parce que. Peuple y moi c'est pas dans ça. Peuple là on se prend en charge comment? Nenge appelle il y a comité laïque il y a catholique et bengaki. Et bengaki peuple et bengaki ma politicien. C'est à dire que net biso. C'est quand même une institution quand même l'église catholique. Justement mais et bengaki peuple. Référence ils allaient quand même. Ils a peuple ils a dit que ma politicien ne m'ouvre pas orienté les sous peuple. Parce que Baza va accompagner, Mingi Baza va accompagner, Mingi Baza va accompagnateur y a pouvoir Rwanda, va accompagnateur y a Hippolyte Kagame. Comment pouvez-vous expliquer à lui mon gars là, bah politicien congolais, bah il dit très bien que Hippolyte Kagame a Bomaka.
manifestation pacifique est allée réprimée par le sang. Mais par qui a une stratégie bisouzou pour la contrecarrer par moi. Que le pot de fer, il faut qu'on oppose la pot de fer. Bon, bateau, l'église catholique, bateau, bateau, qu'on manifeste pacifiquement. Bah, qu'on profane, type à l'église, qu'on mette à gaz lacrymogène, qu'on m'a battu, type à l'église. Je pense que trop, c'est trop. Et là, on s'est adressé le sous-sous, le ministre belge des Affaires étrangères, qui dit que les partis doivent se réunir, se mettre ensemble pour pouvoir dresser un calendrier raisonnable et que les partis se mettent ensemble. Mais dit, est-ce que vraiment un terroriste comme Hippolyte Kanambé, alias Joseph Kabila, on peut se mettre avec lui autour d'une table? Moi, je suis Congolais, je vis en Belgique. La Belgique, c'est un pays qui m'a accueilli. Je ne peux jamais accepter que la Belgique puisse se mettre autour d'une table avec les représentants de l'État islamique, des terroristes de ce genre. Il en est de même pour Hippolyte Kanambé. On va, un homme qui est hors mandat. D'abord, il a triché les élections en 2006, en 2011. Il a arraché in extremis par la naïveté ou la cupidité des politiciens congolais les accords de la Saint-Sylvestre. Mais même ces accords-là obtenus à l'arraché, in extremis, il ne les a pas respectés. Un homme comme ça, il est foncièrement mauvais. Il a ce qu'on appelle en latin l'animus nocendi, l'intention de nuire. Il est sans cœur. Alors nous appelons notre peuple au soulèvement populaire, à la détermination, parce que la lutte doit continuer. Nous ne pouvons pas baisser nos bras. Comme on dit en anglais, we have to use our brain. Nous allons imaginer toutes les solutions possibles pour pouvoir mettre ces gens hors d'état de nuire. Nous ne pouvons pas accepter. Ces morts, nos martyrs, les martyrs de la démocratie, ne sont pas morts pour rien. Nous devons tout faire pour que leur mort puisse servir de quelque chose. Nous ne pouvons pas accepter que nos frères meurent comme ça et puis ça se passe sous silence. Nous appelons la communauté internationale à pouvoir condamner vigoureusement, officiellement, c'est que ce barbare d'Hippolyte Kanambé vient de faire, d'affliger, donc de tuer, massacrer notre population. Un homme hors mandat tue la population. Il n'a pas de, il n'y a plus de légitimité. Et nous demandons au ministre des Affaires étrangères belge de dire officiellement et de prendre la mesure de la situation en considérant que Hippolyte Kanambé ne peut plus engager l'État congolais. Et que quand vous allez dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui dans son article 41 dit ceci, les locaux de la mission diplomatique ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission, donc la mission des ambassades. Quelles sont ces missions-là? Quelles sont les fonctions des missions diplomatiques? 1. Représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. L'État accréditant, c'est le Congo. L'État accréditaire, ici par exemple, c'est la Belgique. Donc ces locaux ne peuvent pas être utilisés de manière incompatible à cette mission. 2. Protéger dans l'État accréditaire, c'est-à-dire en Belgique par exemple, les intérêts de l'État accréditant dans l'État congolais et de protéger les ressortissants. Mais ce n'est pas ce que les ambassades font ici. Donc, bref, même les représentations diplomatiques, parce que vous devez savoir une chose, c'est que dans l'État, quand on dit protéger dans l'État accrédité les intérêts de l'État, mais l'État c'est quoi? En droit international, dans l'État nous avons trois éléments constitutifs de l'État. Il y a d'abord le territoire, il y a la population, il y a le pouvoir. Mais quand la population n'est pas
n'est plus. Et tous ces trois éléments doivent être réunis ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait un élément qui manque. La population aujourd'hui n'est pas avec le pouvoir. Et le pouvoir aujourd'hui, c'est un pouvoir illégal. Donc, même les ambassades ne peuvent pas prétendre représenter l'État congolais. Il y a aussi un troisième, un quatrième élément qu'on appelle l'élément psychologique, c'est la reconnaissance de l'État par la communauté internationale. On a vu en Afghanistan, avec les talibans, quand ils avaient leur gouvernement, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont été reconnus que par quelques États seulement. C'est-à-dire l'élément reconnaissance est un élément important. Et cette reconnaissance doit s'achever par la fin du mandat. Et nous demandons à toutes les autorités des États libres, démocratiques, de pouvoir prendre acte officiellement et le dire et le déclarer que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'est plus le président de la République démocratique du Congo et de ce fait ne peut plus engager cet État. Donc c'est sur très important. Sur quelle base l'élément va déclarer comme ça, parce qu'il est toujours président de la République. Hein. Je dis ceci. Oui. L'État est composé de trois éléments. Nous avons l'élément territorial, l'élément physique, le territoire, la population. Mais officiellement aussi, non? Mais comment officiellement un État qui n'existe pas, il y a par exemple un État qui est englouti. Il y a la mer. Attendez, prenons un exemple. Oui, je démontre ça concrètement. Voilà. Il y a un État qui est englouti par l'océan. Dis-moi un peu, cet État n'existe plus. Alors comment est-ce que vous pouvez dire que c'est un État, puisque c'est un Congo. Congo, le but est trois éléments, voilà, ils ont ensemble. Les trois éléments, la population n'est pas en phase avec le pouvoir. Et le pouvoir, constitutionnellement. Oui, parce que la population est en phase avec le pouvoir, il faut une élection. Comme mais, ça, on peut pas subjectivement que le bac, non. Non, mais la constitution du Congo dit très bien que ces gens, par rapport à la constitution, sont à la fin de leur mandat. Mais ils restent en place jusqu'à l'installation. Non, ça c'est une fausse interprétation de l'article 70 alinéa 2. Non, attendez, c'est une fausse interprétation. Quand vous dites les institutions où le président de la République reste en place jusqu'à l'installation effective du président élu. Donc il faut qu'il y ait un président, comme aux États-Unis, Barack Obama, Trump avait gagné les élections. En attendant que Trump puisse prendre effectivement le pouvoir, pendant cette période d'intermède, il est normal, c'est comme ça qu'on dit. Il faut qu'il y ait eu des élections. Mais chez nous, ils refusent d'organiser les élections. Ils sont de mauvaise foi. Vous avez vu comment ils ont tué les gens qui revendiquent, qui demandent. Vous avez vu, en Iran par exemple, il y a des gens qui descendent, non? Je demande aux militaires. Au Togo également. Ça fait au Togo, les militaires zimbabwéens ont fait preuve de patriotisme. Ils n'ont pas tiré sur la population. Pourquoi les Congolais au Congo, ils ne peuvent pas faire le même? Parce qu'ils appellent des mercenaires qui tuent notre population sans réfléchir. Et nous aussi, de notre côté, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons user de la légitime défense. J'appelle donc. Nakobenga peuple congolais nyonso bisika bozali. Il faut que ça la nyonso pour nakobenga na Hippolyte Kanambe na bakolite na baso. Biso la diaspora, il faut tous s'organiser. Totia maboko la mabenga. To sangisa maele na biso. Tout ça, il y a un abisso. Dengue, bah, 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 merci. Voilà un peu le message adressé au peuple congolais. Tout ça toujours déterminé. C'est pas parce que le 31 décembre, à Bomibiso, Togotik, peuple congolais, Totikate, tout continue. Et nous travaillons aussi en ce moment-ci pour la voix et moyen nini, Togosala, pour te mettre les bangos tout hors d'état de nuire. Et Kosala, ma bongo. Merci. Merci en tout cas, Dr. Alongo, et à très bientôt dans le prochain numéro. Et dernier message. Merci beaucoup. Merci.